Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 36e épisode de notre série Dexai. Toujours en Normandie, hein? C'est vrai que je le dis à chaque épisode, on est toujours en Normandie, en même temps je vais pas vous dire toujours au CAM, ou au protectorat des régions de l'Ouest, non, pas vraiment. Pourquoi je clique sur lui? Je regarde, je vois un truc indépendant, une couleur toute seule, ça me fait toujours un peu sourire, ma foi. Oui, donc, il faudrait pas nous rejoindre lui, hein? Bon, ça m'intéresse pas. On aurait fait un pied là-bas. Donc on est toujours dans l'espoir de d'arriver à jouer notre fille. Et surtout sa descendance. Enfin, qui commence très mal hein, d'ailleurs. Parce que là, pour le moment... Ouais. Écoutez, on verra bien. Allez, on repart en tout cas. On baisse la vitesse. Est-ce qu'on a... Oui, on a toujours une alliance avec le Saint-Empire. Hein. On pourrait toujours attaquer la France, du coup. Mais on va surtout sûrement pas le faire maintenant. Un roi dont on se souviendra. Bien qu'éviter d'être complètement oublié, ma principale préoccupation est également pour moi penser à la façon dont je souhaite que la postérité pense à moi. Comment je peux m'assurer que lorsque je mourrai, les générations futures parleront avec admiration. On veut venir d'un paragon de vertu, on veut apporter la prospérité, la connaissance. Ils vont savoir ce qu'est la peur, je dois trouver ma propre façon de voir. Sur l'autorité, face à vos sujets, l'amélioration de la réputation de votre pays, la réputation de votre dynastie. On va faire ça. D'améliorer ça en continuant de construire des cités si on y arrive. Pape a envoyé un émissaire avec une requête particulière. Il explique que le clergé s'est beaucoup impliqué dans le fonctionnement de l'hôpital de Mortas ces derniers temps. Ainsi, une juste compensation est peut-être en plus. Si telle est la bonté de Dieu. Non. Certainement pas. J'ai pas assez de sous et j'en ai besoin pour autre chose. Donc, je vais aller se faire voir. Marier ma fille au prince de Hongrie. Valdrad. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut mettre fin à son complot? Non. Tu serais bien un hérétique, un bel hérétique, toi. Allez, 400%. Tout le monde va vouloir sa mort. Toi, un petit cadeau. Parce qu'il commence un peu à me courir lui. Hein. Le comte de Suffolk, de Jure, il appartient au duché de Norfolk. Ah bah attends, mais faut que je lui donne elle. Transférer le vassalage de lui là. Tiens, débrouille-toi avec cette merde là. Bon, je vais quand même l'assassiner, mais débrouille-toi avec lui. Après tout, c'est pas, ça ne me concerne pas. Ah, du coup, oui, le complot va être moins intéressant. Forcément, le prince Ranulf qui a 6 ans. La religion, je m'en fiche un petit peu en fait. Alors, notre fils. Ah, tiens, il est devenu dépressif. Ok, il se bastonne. Voilà, il sera empoisonné avec du vin frelaté. On verra bien ce que ça donne. Il a une blessure grave. Il devrait pas faire long feu ce personnage, hein, de toute façon. Ouais. Il est mort, on n'en parle plus. Ou exécuter 30 personnes. C'est beaucoup quand même. Je serai un dirigeant juste et vertueux. Vous devrez vous forger une lignée basée sur vos propres accomplissements. L'emblème de ma dynastie brillera plus que les autres. Basé sur le prestige et on perdra de la piété. On va faire le deuxième. Passez beaucoup de temps avec très peu de personnes, vous trouvez qu'Armessan sort du lot, vous essayez de la connaître. De la même façon, vous êtes complémentaire et vous passez de bons moments. Une nouvelle amitié est née. Ouais, super, elle est possédée. Génial. Mon maréchal a demandé à rejoindre les pieux chevaliers. Oh, mais arrête, t'es chiant avec ça. Donc, on avait dit en chancelier. Bah, tiens, toi, tu m'aimes bien. Allez, hop, tu viens.
pas le meilleur, hein, clairement. C'est pas grave. On pourrait rouvrir les portes, mais non. Du coup, de Bedford. L'acheter indigne. Dites donc. Pas mal de gens qui... On est moins appréciés, hein, là. Faut clairement... Enfin, globalement, ça va, mais... sorte de... On peut pas influencer... Ah ouais, non, on peut rien faire, faut dire qu'on est caché aussi. On devrait bientôt pouvoir s'en aller. Ah, elle est enceinte, espérons que cette fois-ci ce soit du roi et que ce soit un fils. Histoire qu'on ait des chances, j'ai bien des chances de... Succession, hein, forcément. Ça y est, on peut rouvrir les portes. Ma dynastie a une grande et fière histoire, mais je suis sûr qu'en parcourant dans les archives du pays, je pourrais trouver des ancêtres encore plus religieux pour embellir mon arbre généalogique et monter mon prestige. Oh la vache! En agissant rapidement, en investissant beaucoup de ressources, fondrait l'ignée relativement tôt. On perd de la santé, de l'or et du prestige. Là, on perd que du prestige. On va faire le deuxième, parce que le premier coûte un peu trop cher. On va chercher un forgeron, ouais. Votre vassal, la duchesse, et le prince de Provence, j'ai des choix de vous conseiller. La firme est qualifiée que la plupart des membres. Il faudrait devenir maître espion. Bah, très bien, vas-y, come on. Un saint à trépasser, très bien. Ouais, je suis interdit, à force de l'interdire, il est pas très content lui. On va le changer, on va prendre Fulk. Ok, Bohémond devient un... Oui, très bon commandant, c'est vrai. Bien joué, mon gars. Vous avez repris une partie du poids que vous avez perdu. Le roi et... Votre ami est le roi de Norvège. Ouais, bah allez, vas-y. Ouais, c'est pas facile hein, de ne pas jouer un fils hein, quand. Qu'est-ce que ça a donné du coup là? Ah putain, elle a fait une fille. Cette fois-ci, bon, c'est la Novgorod en paix. Bien que la bataille était longue et exténuante contre les Teutons et les habitants d'Éternel Novgorod, la campagne a finalement pris fin. Très bien. Donc, ouais, cette fois-ci, c'est bien la fille du roi, c'est pas une bâtard, mais. Toi, va te faire voir. Notre princesse. On va faire ça. Duc de Bretagne. On va lui envoyer un cadeau, mais non. J'apprends que le duc Oswin est venu à Caen et a demandé audience. On est content de sa visite. Il est pas content. Parfait, tout va bien. Voilà, ouais, on a de plus en plus de... lâches indignes. Qu'est-ce que j'ai fait? Sale rumeur. Ouais, ça, d'accord. Meurtrier reconnu, ouais c'est vrai que je suis un meurtrier reconnu, ça aide pas. Le roi est en mauvaise santé, ça pourrait se retourner contre nous hein, tout ça. Ça pourrait carrément se retourner contre nous même.
Sri reconnu, sale rumeur, indigne. Alors, je sais pas pourquoi j'ai indigne, mais... On va organiser un banquet. Ce que ça vaut, hein. Ouais, ça va se compliquer, hein, tout ça, hein. Lors d'une célébration extérieure, je trouve un message enveloppé dans une fleur sauvage à l'attention de ma fille, la Hermès 100. Le séducteur en question, le concerné, l'attendrait près de la rivière voisine. Quel obsédé. Elle a voulu être nonne, hein, donc... Maréchal de l'Empereur de Normandie. L'autre jour, alors que je redécouvre, je fais souvent, j'ai surpris le constater que ma fille me sent en flagrant délire. Une femme de Dieu, ils ne m'ont pas vu, mais je suis encore sous le choc. Ouais, on va pardonner, oublier, on va pas balancer notre fille. Hein. Là, c'est la merde comme ça. On va envoyer un petit cadeau à lui pour qu'il se calme. Cité ici. On va emprunter de l'or aux juifs pour accélérer le problème. Allez ma fille, va falloir faire un petit enfant au roi avant que problème il y ait. Passé très bien, décidément il y en a des seins de plus en plus. Gloria, encore odeur de myrrhe. Oui, la demi-sœur qui est partie se marier assez loin quand même. Accepté. C'est parfait. Ah, attention, elle est enceinte, ça va devenir problématique. C'est un garçon. Ça va devenir très problématique. De toute façon, je pense que je peux pas la tuer. Non, les chances sont trop minces. Ah, c'est pas facile hein, de mettre des choses comme ça sur en place et de pouvoir les faire derrière. Malheureusement. En plus, elle est enceinte. Si c'est un garçon. Si c'est un garçon ici et que c'est un garçon là. Bon, autant dire que c'est la double. Ça doublement fait chier, quoi. Oula, ouais. Ah bah, c'est bon, ça s'est annulé. Duc de plus, c'est ça. On va le faire entrer. Content de sa vie. Et voilà. C'est très bien comme ça. L'action s'est calmée chez moi, tant mieux. Voilà, on continue de faire des cités, hein. On essaye en tout cas. Notre neveu, on va le mettre là-dedans. On n'a plus de conseiller. Qui on va prendre en conseiller, tiens? Un
siège ou conseil dans tout ça. Ils sont pas très très bons. Hein. On a Oswin éventuellement. Oswin, oui, on va le prendre. Conseiller. Sûrement pas toi. Prends lui, allez. On va le calmer un peu. Elle est dans les derniers mois. C'est une fille. Ouf. Oui, on va le rassurer parce que je ne soutiens pas la piraterie. Pas du tout même, mon cher monsieur. Plaisant, alors mon maître espion, il est temps d'espionner l'espion. Vous n'êtes qu'une espèce de sot indigne d'un homme et un inventeur. Notre pack n'a plus lieu d'être, pas par ma faute, mais en raison de vos actions sournoises. Je souhaite tout le malheur du monde. Merci, c'est très sympathique. J'entends mon maître espion discuter avec un autre conspirateur. Il prévoit de révoquer le comté de Bat. Très bien. Bon bah... un pacte de non-agression, il ne veut pas. Bon, je pense que ça l'arrangeait bien hein, directement. Elle a l'atout. Alors oui, ce que je voulais voir, c'est qui hériterait dans ce cas-là un membre de la petite noblesse de Paris a passé une semaine en visite à Caen, il s'est visité de sa fortune et de ses propriétés. Conscient de vous demande d'agir. Une suite sur prendre le comté se porte bien. Ça y est, ils ont un fils Turold. Ouais, voilà, j'ai vraiment envie de le jouer quoi. Votre empressement à accuser mon peuple d'un comportement indigne est semblable à une insulte à mes yeux. Vous savez entendre qu'il pouvait s'agir d'un imposteur, bien sûr que non, triste opportun crétin. Hop, on va rompre le pacte. Bah, décidément. C'est la merde, comme on dit. C'est bien la merde. Ouais, alors là, voilà, j'ai vraiment envie de le jouer, lui. Mais alors, du coup, c'est l'héritier principal du royaume de France. Ça, d'accord. Au niveau de mon royaume à moi. Lui, puis Ranulf, puis la reine, puis son fils. Ah ouais, putain, faut vraiment qu'il meure. Hein. Je sais pas comment faire, mais... on va essayer de contrarier notre enfant. Dorset a été converti à la foi catholique. Pour récupérer le duché de Cornouailles, la princesse Buzilla de Normandie, ce qui fait que notre fils n'aurait plus de titre. Prince Ranulf, sûrement pas. Ma fille, comment elle s'appelle déjà? Yolanda, tiens, on va essayer ça, une petite guerre contre lui. Est-ce que Yolanda est dans le truc? Même si elle y est pas, hein. Une autre de nos filles, on s'en fiche, hein, mais. De Cornouailles. Il y aurait le sultanat de Léon qui viendrait à son aide. Bon, on peut gérer ça. Hein. On peut gérer ça. Alors, faut que je me méfie quand même de tout cela là. On peut gérer tout ça. On va essayer de faire ça. Je sais pas trop hein, ce que ça. Ça a bien intérêt ce que je fais, mais... hop, on va lever Lost. On prospère.
Putain, le roi de France est mort. Ah, c'est notre petit-fils. Aïe, 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 aïe. On est compte, hein. À quel point ça se... À quoi ça se joue, des fois, hein. Ça se joue. Alors, reconnaître les vertus et talents que possèdent les uns et les autres, une vraie vertu, je suis béni d'avoir comme maréchal un guerrier plus redoutable encore. Je reconnais son talent. Les aura écrasés. J'ai été approché par mon ami Hermessante. Apparemment, elle s'inquiète à propos de ma santé et pense que je deviens trop frêle au point de ne plus pouvoir manier une épée, contenter une femme ou même monter à cheval. Peut-être devrais-je manger un peu plus. On va faire ça. Mont Henri, président, hein, c'est pile d'hérésie, dénonciation publique. Parce que pourquoi pas. Parfaire dans ce prestigieux m'a beaucoup amélioré la réputation de ma famille, mais ce n'est pas suffisant. Pour que mon nom entre en histoire, nous devons nous efforcer de maintenir un nouveau comportement et être infiniment supérieur même aujourd'hui. Je vais concentrer toute ma vie à cette entreprise. Oh non. Trop de risque de mourir. On va arrêter. Je voudrais pas mourir dans des conditions comme ça. Gros. Je l'ai pas imaginé comme ça non plus, mais c'est pas grave. En pause, j'avais pas vu. Un mariage avec le roi de Hongrie. Bah tiens, on m'a piqué. Forger une alliance. Bon bah non. Hop. Salle. Yolanda est morte d'un cancer. Hop là, on va leur foncer dessus comme ça vient. C'est massacré, hein, de toute façon. Pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. On va aller tomber sur ceux-là aussi. Chapelin, on va prendre lui et le mettre là. On continue, on descend ici. Charmer le duc pour qu'il nous apprécie mieux. Il a été touché. Parfait.
fumée, mais ça a pas l'air de bien le gêner. Ah, sa fille est en prison. Bah, chez moi, tiens. Ah, bah, c'est parfait, ça. Et ben, j'aurais pu l'exécuter, mais je sais pas ce que je vais faire. Le prince Roland est déjà n'est pas sanglant, sanglotante avec peu d'estime pour sa propre vie. Je suis certain qu'avec le module, je serais capable de le pousser à bout. On peut faire ça de son propre fils. On va faire ça exactement comme prévu. Il est furieux. Les remarques professionnelles au contraire. Après tout, comment réputer plus les nier en bonne foi. Donc là, de vassaux, peut-être qu'on a, on va contraindre le vassal. Je t'en prie. Pas de problème pour moi de te rappeler ce que tu dois faire et pas faire. On va déclencher un assaut. Ouais, j'aurais pas dû. Ouais, j'aurais pas dû. J'ai pris cher. Non, j'étais trop confiant là. Grosse erreur de ma part là. Pour accélérer un peu tout ça, mais c'était une erreur. Il y a tellement d'événements en même temps là. C'est un peu le bordel. Hein. Femme ne sortira pas de prison, on va même ordonner de prononcer ses voeux, de rejoindre l'ordre de son choix. Elle deviendra nonne, elle divorcera, elle rejoindra une société monastique. Des troupes. Donc, maréchal, c'est dommage, je dirige pas des troupes contre moi, mais. Donc. La fameuse cité d'Hastings. Qui n'existe pas, alors que. Ouais, c'est assez drôle ça. Bon, remarquer la bataille d'Hastings, c'était pas forcément une cité. La bataille dans une cité, mais. On continue. Ah, bah, le roi d'Irlande, c'est devenu le roi d'Aragon. Change pas grand chose. Toujours pas mal de factions contre nous. Le roi Philippe, le commandant ennemi en deux, il jette son arme au sol, se lève précipitamment et commence à courir. Mais cela succède dans la société soudaine de le rattraper en vain. Ok, il dit au fur et à mesure ça. L'objet Oum a été ajouté à votre trésor. J'ai pas compris ce qui a été ajouté à mon trésor, mais. Je vois pas de nouveaux trucs. Épée des cieux, peut-être. Bon, je l'avais déjà. C'est pas grave. Siège. Bon, je pense qu'on va essayer de péter un peu un plomb avec notre personnage. C'est dommage qu'il soit pas dépressif par contre. Que les solutions, elles sont. J'ai toujours des solutions, hein. Mais Yolanda s'est remariée, elle est morte, ce qui veut dire que là, mon fils... Ouais, d'accord, enfin, lui, il est... Pardon. Il est passé troisième en succession. Alors, on va voir ce qu'on arrive à faire. Ça risque... Je vais prendre un énorme risque. Qui risque de foutre le bordel. Mais ça peut être génial quoi, ça peut être un truc assez génial. On arrive un peu dans l'early game hein, donc de toute façon il faut y aller, il faut tenter de casser la partie en deux. J'étais pas très chaud pour le faire et finalement je pense qu'il faut tenter. Ça peut faire un truc magnifique, donc on va tenter ça. Par contre là voici, ouais, si je veux que mon score de guerre augmente, faut clairement que je fasse des choses.
assaut. 99%. Oh, allez, le petit sang là. Peut-être qu'il est temps de demander au Duxer de passer plus de temps avec moi. Je vais lui demander. Ouais, il fait toujours quelque chose contre moi. Lui, on va bien augmenter son truc. C'est du temps en privé. Voilà, 100%. Elle a usurpé le titre. Ah oh putain, il est encore plus loin en fait, il a le titre du duché de Connacht. Je l'avais oublié ça. J'avais complètement oublié ça. Ah oui, hein, ça c'est à moi, mais bon. C'était pas ça que je voulais faire en fait. Ouais, j'avais oublié qu'il avait un deuxième titre en fait. Bon, on verra bien. Voilà, on a passé du bon temps ensemble. On va calmer un petit peu tout ce petit monde là. Toi aussi, on va t'envoyer un petit cadeau. On va fermer ça. Le bourgmestre que j'ai fermé sur plein de sa cellule. Ouais, on est content de sa visite, c'est la bonté de Dieu. On ne peut toujours pas assassiner notre fils. En tout cas, on garde sa femme en prison, ça c'est sûr. On va se moquer encore une fois de son caractère, on va le pousser à bout, hein. Sur lui, clairement, lui ça pourrait être cool hein. S'il devenait, s'il se mettait à tout devenir notre héritier principal, franchement, ce serait classe. Hein. Mais avant d'enfermer cet enfant là et de tenter ce coup là, bon, on a une rébellion. Combien de temps ça fait? Ouais, on peut encore le faire. Je regardais le temps, je peux encore m'en occuper. C'est la tête aux rebelles, moi. Ouais, j'ai sorti l'armée un peu tôt, mais ça devrait aller. Voilà. On va le torturer parce que un chat a été attaché sur la poitrine de Radou et chauffé avec du charbon ardent. Heureusement, il a été retiré avant que les rats ne parviennent à ronger un chemin à travers son corps. Entendre les cris, il semble qu'il ait retenu la leçon. Voilà, ça va le calmer. Mais il est mort. Voilà. Du coup, non, mais lui, faut vraiment qu'il lui arrive quelque chose. Je sais pas encore quoi. Et même pas, donc j'avais pas que j'achète une faveur. Mais on va tenter de. Meurt, elle a... Bon, elle est enceinte, donc avec un peu de chance, ce sera un homme. Un homme. Mmh.
On verra bien ce que ça fait. Le comte souhaite qu'un vassal de l'inférieur actuellement service passe son autorité. Comte de Trégor souhaite qu'un vassal de rang inférieur. Ah ouais, non mais carrément, vas-y mec, hein, j'en veux pas de lui moi. Ah, comme quoi c'est vraiment le bordel hein, les trucs. Hein. C'est vrai que moi j'en étais à créer des cités en fait. J'en suis où avec tout ça en cité moi? 6 sur 10. Les factions, on en a de moins en moins, on a encore lui là. Essayer d'améliorer les relations avec lui. Les vassaux ne sont pas contents, ouais. La veine à monastère vous demande de faire un don. Sûrement pas. Elle est toujours en prison. Vassal souhaite qu'un vassal de rang inférieur. Ouais, je lui donne. Je peux vérifier, mais. Avec mon usage d'instruction sur toutes les questions diplomatiques, je devrais pas avoir de mal à me faire aimer. On va lui envoyer un émissaire. On a réussi à le convaincre. C'est déjà pas mal. Il reste plus que lui, hein, de toute façon. À Mortain, j'ai rencontré un philosophe après-midi dans mes recherches, mais on va rechercher les progrès culturels. Oui, bien sûr. Ouais, par contre, je suis en négatif, mais c'est pas pour longtemps. On va essayer de semer la discorde entre lui et son roi. Tant qu'à faire. Hein. Voilà, alors on peut faire la tolérance, statut significatif des femmes. On va prendre ça, tiens. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a tout ça en bas marginal. Les femmes et les dirigeants vont occuper le poste de maître espion. Autorise la modification des lois de succession, c'est complet. Les commandants autorisent la loi de succession cognatique. Ouais, c'est pas pour demain. Hein. De toute façon, je crois que je pourrais même pas. Je pourrais au moins passer ça. Ah, c'est vrai que j'oublie toujours de descendre administration tardive. De toute façon, bon. Par des trucs contre moi. Et elle, là, elle a pas fini contre moi. Bon, elle est anxieuse, etc. Bon, on va pas trop s'en occuper. Pas trop s'en occuper. Qu'est-ce que je voulais faire du coup avec tout ça là? Je suis un peu perdu dans mes pensées, je ne sais plus où j'étais. Oui. Ouais, donc le statut des femmes, ce serait bien de le passer. Parce que voilà, je trouve ça cool. On n'a pas trop de soutien. On va aller voir qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme gens qui nous aimeraient mieux. Pierre, là on en a un. Ah bah lui, on a lui. Hop, ça se trouve, c'est déjà celui qui nous aimait bien. Bah ouais, j'ai rien gagné. Abruti que je suis. Elle me gonfle, on va prendre lui. Et là, on va prendre plutôt lui. Tac. Est-ce qu'on peut passer ça du coup? 3 contre 3. Je crois que 3 contre 3, ça passe pas. Hein. Les deux ducs et Fulk. Qui ne serait pas d'accord. Ah oui, et c'est mon conseiller. C'est chiant parce que le conseiller, on peut pas le choisir en fait, enfin le virer quoi. On va reprendre lui en commandant, lui. Et là on a quelqu'un qui est un peu nul mais qui nous aimerait bien. Donc on va le faire, comme ça on passe la loi tranquille.
pas être très apprécié, mais c'est pas grave. Elle, on a moyen de l'assassiner, on va le faire, parce qu'elle me gonfle. Le prince Roland me déteste profondément maintenant, il souhaite probablement ma mort. Le sentiment est bien sûr réciproque. Nous serons ennemis jusqu'à la fin. On est rivaux. Ah! Ça débloque rien, ça. On va faire des duels quand on est rivaux. Et voilà, ça c'est fait. Ah, des blocs contre les rivaux. Tiens, on va faire ça. Le baron Saint-Loup m'a appris que les archers étaient en place et qu'ils attendaient le moment de tuer la duchesse. On va pouvoir affronter notre fils en duel. Alors par contre, il est nul, il est meilleur que moi. Hein. Bon, on a su que c'était moi, mais elle est morte. Clairement... On pourrait faire un duel, par contre c'est chaud. Je peux prendre ça. Je peux pas, hein, c'est ça ou ça. Ma brigandine, ma couronne. C'est même l'épée des cieux qu'il faut que je prenne. C'est à moins 4, alors lui est à 12. Franchement, on pourrait tenter, mais ça va être très 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 chaud. Hein. Il faudrait qu'on soit plus corpulent, mais... Ah, ça se tente hein, quand même. Hein. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On verra ça au prochain épisode. Je vais m'arrêter là, sur cette petite rébellion qu'on gérera. Et on verra au niveau du duel ce qu'on est capable de faire ou pas. Mais on va tenter ça, je pense. Ça va être chaud quand même. J'aurais bien aimé ne pas être corpulent, parce que... Corpulence, moins 10, anxiété, moins 10. Lenteur, moins 5. Lui, il est pas lent, hein, donc faut faire gaffe. Mais bon, ça pourrait. Une grosse rivalité entre deux fils. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas. Hein, ça reste RP. Puis bon, bah de toute façon, quelqu'un qui veut que sa famille grandisse, il va tout faire pour mettre quelqu'un pour changer ses héritiers. Hein. Il aimait sa femme, il aime pas forcément ses enfants. Bien qu'il soit béni. Donc on verra ça au prochain épisode. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, parce que la série continue encore. Jusqu'au succès ou à l'échec, nous verrons bien. Mais c'est pour la semaine prochaine, c'est sûr. Allez, merci à tous, portez-vous bien, très bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.